L'innovation, c'est de la recherche. C'est de devoir m'adapter et remettre en cause mes façons de fonctionner, mes pratiques. Essayer de donner également le goût aux élèves. Parfois, l'innovation, c'est une toute petite chose qu'un prof peut faire en classe avec les élèves. Trouver de nouveaux moyens pédagogiques, enfin, pour intéresser les élèves. L'innovation est le fil conducteur de IDO 64, qui s'est déroulé le 24 janvier 2018 à Bayonne pour la 10e édition. Alors, l'innovation, c'est donc d'être précurseur, de faire des choses nouvelles, d'expérimenter. L'innovation, elle peut conduire d'ailleurs aussi à abandonner certaines idées. Tous les enseignants et le représentant du département ont une définition propre à eux-mêmes de l'innovation. Pour moi, l'innovation ne doit pas être que technologique. Derrière la technologie, il faut qu'il y ait toujours un environnement et un accompagnement, par exemple, pour les collégiens. La majorité des personnes présentes ce jour-là sont des enseignants en quête de nouvelles pratiques pédagogiques. Cette journée a été une expérience enrichissante pour la plupart d'entre eux.